Bienvenue dans le mode Discovery d'Assassin's Creed sur l'Égypte ancienne. Bienvenue dans la planification de la ville d'Alexandrie. C'est un vers de l'Odyssée d'Homère qui donna à Alexandre l'idée de fonder sa grande ville. Il y a devant l'Égypte, dans la mer houle nombreuse, une île qu'on appelle Pharos. Guidé par ces indices, Alexandre le Grand fonda sa ville à l'extrémité ouest du delta du Nil. Si Alexandre a estimé le site idéal pour sa grande cité, il posait néanmoins de nombreux problèmes. L'accès était extrêmement difficile lors des tempêtes, les marais voisins étaient malsains, et le sol calcaire ne convenait guère aux cultures. Mais influencé par son mentor Aristote, Alexandre comprit que la véritable valeur de ce lieu était son emplacement stratégique. Alexandre savait qu'en tenant Péluse à l'est, Memphis au sud, et son joyau Alexandrie, à l'ouest, il disposerait d'une place forte triangulaire lui permettant de contrôler la totalité du delta, tout en ayant accès à la Méditerranée. Les murs d'Alexandrie connurent des débuts modestes. Manquant de craie pour tracer les fondations de la future ville, les architectes durent employer de la farine. Des nuées d'oiseaux migrateurs se posèrent et mangèrent la farine, effaçant les tracés. Cela poussa Alexandre à consulter les oracles, qui le rassurèrent en lui affirmant que sa future ville nourrirait une vaste population. Les fouilles menées par Mahmoud Bey el-Falaki au XIXe siècle ont montré que l'enceinte mesurait environ 5,2 km de long sur 2,2 km de large. Elle était haute de 9 mètres. Ces redoutables murailles ont résisté à de nombreuses attaques, dont celle du roi de Syrie en 169 avant notre ère. Ce n'est qu'en 295 de notre ère qu'elles furent abattues par l'empereur romain Dioclétien, et ce, après 8 mois d'assaut incessant. Dinocrate, le principal urbaniste d'Alexandrie, choisit un plan hippodamien, c'est-à-dire
en damier. Cette option maximisait l'aspect fonctionnel, avec des voies rectilignes et, en dessous, des canaux. Alexandre reconnut la valeur militaire de ce plan. Les larges rues parallèles permettaient de surveiller la ville tout en autorisant les déplacements de troupes. Un couloir central s'étendait du port nord, sur la Méditerranée, au lac Maréotis, au sud. Cette voie jouait le rôle d'artère commerciale et de communication entre les deux ports. De nombreuses rues étaient bordées d'imposants bâtiments et de parcs, y compris la voie canopique, avec sa porte impressionnante à l'extrémité est. La ville d'Alexandrie a très probablement été bâtie à l'emplacement d'un village égyptien. Lorsque la ville fut achevée, les Égyptiens refusèrent de l'appeler du nom de son fondateur, préférant l'appellation de Ra-Khed, la construction, pour marquer leur mépris. Ce nom fut par la suite hellénisé en Rakotis. Cette réticence n'empêcha pas le nom d'Alexandrie de perdurer. Bienvenue dans l'origine de la pyramide. L'origine du mot « pyramide » est controversée. Beaucoup estiment qu'il provient du mot grec « pyramis », qui désignait un petit gâteau de forme pointue. Dans l'Égypte ancienne, la vie et la mort reflétaient le cycle solaire. La forme parfaite de la pyramide à face lisse fut associé à la métaphore de la transformation du pharaon en rayon solaire à sa mort. Les pyramides représentaient le Benben, le monticule primordial du mythe héliopolitain de la création. Ces récits se sont étendus à tous les aspects de la vie égyptienne. Pendant la période prédynastique, les pratiques funéraires évoluèrent différemment. Les rituels n'étaient pas les mêmes en Haute ou en Basse-Égypte. Bien avant la pyramide, on utilisa des fosses funéraires. Le site funéraire le plus ancien découvert à ce jour et qui date de 5000 ans avant notre ère est celui de Merindé Beni Salam en Basse-Égypte. L'étude des tombeaux a révélé que les défunts étaient enterrés dans une tombe peu profonde en position fœtale. Mais les quelques objets qui y ont été trouvés n'ont pas permis de déterminer le statut social des personnes inhumées. En Haute-Égypte, les pratiques prédynastiques sont plus faciles à étudier et révèlent des rites plus élaborés. On les a classés en deux phases, la phase de Badari et la phase de Nagada.
La phase de Badari s'étend de 4400 à 3800 avant notre ère. De petites nécropoles ont été découvertes en bordure de village et ont révélé l'apparition d'un culte funéraire. Le corps était déposé dans une tombe ovale et recouvert de peaux de chèvre ou de gazelle. Des objets de la vie quotidienne étaient disposés auprès du cadavre. Pendant les trois périodes de Nagada, entre 4000 et 3510 avant notre ère, les pratiques funéraires se complexifièrent. La forme de la tombe passa de l'ovale au rectangle, à l'image des habitations des vivants. La taille des tombes augmenta et les objets funéraires se firent plus nombreux et plus stylisés. Les tombeaux devinrent plus élaborés, avec des renforts en maçonnerie, en boiserie ou en briques crues. On vit ensuite apparaître des nécropoles hiérarchisées. Ainsi, à Hierakonpolis, la nécropole de l'élite était séparée de celle du reste de la population. Le mot mastaba, qui signifie banc en arabe, désigne une architecture funéraire présente en Égypte depuis la période archaïque jusqu'au Moyen Empire. Évolution de la pratique funéraire, le mastaba était généralement constitué de deux parties. Une vaste structure rectangulaire bâtie à la surface, avec des murs en retrait, et une chambre funéraire souterraine. Des mastabas plus petits entouraient le vaste tombeau du pharaon. Ils abritaient généralement la dépouille de membres de la famille royale et de la cour. L'aménagement de l'infrastructure du mastaba a évolué pendant l'Ancien Empire. À partir de la 5e dynastie, les mastabas ont souvent intégré une infrastructure à plusieurs salles, parfois jusqu'à 30. Le nombre et la qualité des surfaces décorées ont également beaucoup augmenté, de même que le nombre de statues placées à l'intérieur. C'est durant la 6e dynastie que l'art a été le plus présent. La surface entière du mastaba était recouverte de scènes de la vie quotidienne afin de montrer la prospérité de ceux qui avaient la chance de passer confortablement l'éternité près de la pyramide d'un pharaon. Le meilleur exemple de ce type de mastaba est le tombeau de Mereruka à Saqqara.